God. Ok, bon, je viens de paniquer et je viens de venir au parc. Je vais me changer de côté parce que je viens de voir trois voitures avec des jeunes à l'intérieur et nous sommes à côté du cégep. Ça veut dire qu'ils s'en vont tous au cégep. Oh my god! C'est le jour de la rentrée. Je vais au cégep. Oh my god! Inch'Allah, mes cheveux sont beaux. Mes cheveux sont beaux, mes cheveux sont santé, mes cheveux sont bien placés. J'ai pas fui. En marchant, je vous ai dit, j'ai paniqué et je suis venue au parc. Mais c'est parce que j'ai pas envie de. En fait, il y a genre tous les jeunes du cégep qui sont juste devant, sauf qu'ils sont en groupe. Et moi, je connais personne. Et j'ai envie de pleurer. Pourquoi il y a une vieille qui fait sa marche? Oh my god. On va faire comme si de rien n'était. Comme je disais, tous les jeunes se regroupaient devant le cégep. Je n'osais même pas sortir ma caméra. En fait, ma caméra, dès qu'on est monté dans le bus, je comprenais beaucoup mieux pourquoi l'autobus s'appelait cégep. Avec que des étudiants. Et tous ceux qui étaient dans l'autobus, c'était que pour aller vers le cégep. C'est pour ça que dès qu'on est arrivé devant le cégep, tout le monde est descendu. Et j'ai vraiment paniqué. Et le fait que je connaisse personne, je sais que ça aurait été vraiment pas la même chose si j'étais à Montréal. Parce que je suis pas en train de me faire comme si j'étais la reine du monde. Mais c'est impossible que j'aille à un endroit parce que je connais personne. Genre littéralement, quand je suis allée à l'UCPJ, quand je venais de rentrer à l'UCPJ, je connaissais personne. Et la première personne qui m'a dit allô, c'est une fille avec qui, quand j'avais genre 7-8 ans, je faisais des cours d'arabe. J'avais 13 ans. Comment 5 ans plus tard, dans un autre monde? Moi j'ai fait tous les cours d'arabe, toutes les écoles coraniques, je les ai fait avec mon père. Et le pire, c'est que je connais toujours pas par cœur le Coran. J'ai 45 minutes d'avance. 45 minutes rachat en avance. C'est quasiment impossible. Littéralement dans la même phrase, ça se fait pas. Et j'ai couru comme pas possible pour aller prendre l'autobus. J'ai réussi à le prendre. Parce qu'en fait, ici, c'est soit t'es en avance beaucoup trop tôt, soit t'es en retard beaucoup trop tôt. Tu peux pas arriver à l'heure. Ça, c'est impossible. Aussi, j'ai aussi compris pourquoi les autobus, en fait, le nom changeait. Et c'est à cause de... Mes cheveux sentent le miel. En fait, j'ai compris que c'était parce que l'autobus, c'est pas comme en Montréal où est-ce que c'est un chiffre, un nom. Par exemple, moi je prenais tous les matins la 55. Et la 55, son nom c'est le boulevard Saint-Laurent. Et elle fait tout le boulevard Saint-Laurent. J'aurais fait littéralement toute la ville. Elle fait qu'elle est tout droit, tout droit, tout droit. Et par exemple, si je peux vous nommer un autre autobus, la 197, c'est Jarry. Donc elle fait toujours Jarry. Alors que ici, les autobus, ils font tout le continent. Puis en fait, le nom, c'est la direction vers laquelle ils y vont. Donc parfois, la 11, c'est un autre autobus, c'est indiqué cégep, même si c'est pas l'autobus du cégep. Et parfois, la 8, même si c'est l'autobus du cégep, elle change, puis elle devient place Repentigny. Je sais pas c'est quoi place Repentigny, mais je pense que c'est genre un centre commercial ou un truc de même. Moi, je vais continuer à perdre un peu de temps ici et à regarder la nature parce que j'ai pas envie d'aller socialiser. J'ai trop peur. C'est tellement dramatique. Oh my god, j'aurais tellement voulu vous montrer comment je suis habillée. Mais j'ai oublié, voilà, au pire je vais essayer de faire des images. Mais je vous garantis que ce vlog, je pense pas que ça va être un vlog. Je vais essayer de filmer, mais déjà dans l'autobus j'étais gênée. Genre je suis pas encore arrivée à l'école et j'étais gênée. Je vous aime de tout mon cœur. Je sais que ce vlog sera posté alors que j'aurai peut-être mon diplôme du cégep. Mais merci de me regarder, merci de m'écouter me plaindre. Merci d'être là, merci de répondre, merci d'être vous. Et continuez à être de belles personnes. Pourquoi je fais ce message maintenant, je sais pas pourquoi. André, je vais mourir alors que je m'en vais au cégep. Non, c'est dramatique, d'accord. J'accepte le fait que ça soit dramatique. Ouais. Bye bye. Depuis tout temps, je suis en train de vérifier si je fais du sens et je vais de me rendre compte qu'il y a une toilette. C'était beaucoup trop beau pour être vrai.